sur la pelouse et même en dehors, donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Kevin De Bruyne. Et oui, c'est dedans. L'ouverture du score. Quelques minutes de jeu et déjà quelques frissons. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Ouais, sans commettre de faute, le ballon est récupéré. La passe en profondeur. L'attaque bute sur une défense bien en place. Oh, ça peut aller au but. Deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. Ha bajado un par de grados con el 11 Harry Kane. Ouais, voilà, c'est une bonne séquence. Attention, l'occasion pour revenir. Ruben Dias en opposition. Matteo Guendouzi. Mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Et bien fait, quelle ouverture! Et voilà, c'est bien récupéré dans l'espace. Oh oui, but! Et c'est le doublé! Quelle classe! Quelle réussite! Et avec ce but, le score est maintenant de 3-0. Harry Kane. C'est une magnifique interception et décisive en plus. Rodrigo. Et le déboulé dans la défense adverse. Bien joué. Il est bien placé, Rodrigo. Magnifique ce contre. C'est frappé par Payet. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Et au final, ça ne donne rien. La récupération haute, bon pressing. Recordamos que por consecuencia de las obras fuera del estadio, la grada sur deberá salir por las puertas 11 y 12. Voilà, c'est très bien défendu. Oh, attention à ce ballon. À nouvelle occasion ici. Et oui, le but. Splendide, ça y est, le hat-trick, c'est fait. Un ballon en plus. Pour sa connexion, un ballon qu'il va emporter chez lui. Le score est donc de 2-0. Con el 11, Harry Kane. Interception réussie, ballon récupéré. Ah oui, excellent ballon. Ouais, super, sans commettre de faute. Ballon dangereux en profondeur. Et le gardien avait bien anticipé ce ballon en profondeur. Et ça joue sur Rodrigo. Goal ! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Impossible de lui prendre le ballon. Toute la défense s'y était mise. Regardez, et puis finalement, le duello tourne à son avantage. Il y a autant de buts dans le dos, si peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa boue. Ouais, c'est bien vu cette passe. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive.
Rodrigo. Il remporte son duel, bien défendu. Rodrigo. Le ballon pour Harry Kane. Et duel remporté dans la surface. Harry Kane, ballon perdu. Kevin De Bruyne, ah, le ballon à nouveau est perdu. Ça joue avec De Bruyne. Attention là, Harry Kane. Et l'intervention là du gardien. Ah, le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Corner. Oh, ce ballon dévié. Et ça surprend tout le monde. Mais c'est dedans. Et ça fait vite. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Et on s'arrêtera donc là-dessus. Le coup de sifflet pour la seconde période. Voyons si la deuxième mi-temps sera plus équilibrée que la première. Avec Kevin De Bruyne. Et non, De Bruyne là qui perd le ballon. C'est perdu par De Bruyne. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Guendouzi. Ah, la différence est faite. En position Harry Kane. Oui, il se détend bien sur ce plongeon. Allez, changement donc. C'est tiré par Payet. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Le ballon pour Harry Kane. Ah, le ballon est contré. Et ça joue sur Rodrigo. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête. À l'humiliation cette histoire. Ouais, c'est un score sans appel avec ce nouveau but. Un ballon récupéré. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. La frappe était enveloppée, mais elle est largement. Et aussi, maintenant, si c'est un problème d'appui au dépôt sur le point du corps, quoi qu'il en soit, c'est parti loin du cadre. Gérard, Ruud Gullit. Interception réussie, ballon récupéré. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Position Harry Kane. Ouh, le bon basson. Le but à Harry Kane. Et oui, il est où le bonheur? Il est là. Il s'appelle Harry Kane. Il est irrésistible. C'est un ouragan. Bien fait ça, sans faute. Avec Dimitri Payet maintenant. Et la frappe, ça part bien. Et très bonne intervention du gardien. Frappé par Payet.
Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Impeccable cette intervention. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Elle la passe en profondeur, c'est dangereux. Ça sort, c'est corner. Ce ballon de Payet. Et un corner qui finit directement sur le gardien. Steven Gerrard. Gullit. Touche à venir. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Guendouzi. Le ballon pour Payet. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Ah, c'est bien parti. Et c'est au fond. Goal. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Con el 11, Harry Kane. Et ça joue sur Guendouzi. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Un corner qui est bien ajusté. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Si on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts marqués, c'est parfait. C'est exactement la définition du bon match dans le dictionnaire. Car. Philippe. Attention la frappe. Eh ben non, là, sans problème pour Thibaut Courtois. Guendouzi. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Ah, le corps bien placé en opposition. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Dimitri Payet. Ah oui, bien placé là, Payet. Goal, 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 goal. Et le récital en attaque se poursuit. Ce nouveau but en est la preuve. La défense est vraiment. Con el 9, Payet. Gerrard. Steven Gerrard. Pour Kaka. Bien vu la passe. Kaka. Intervention du gardien. Corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Et l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Allez, il faut lever la tête maintenant. Rodrigo peut frapper. Et le but, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match. Son doublé. Il est intenable. Insaisissable. C'est un score sans appel avec ce nouveau but. Elle est merveilleuse cette passe. Et oui, c'est fait. Le but signé Harry Kane. Coup de finale. Et ça se finit très bien pour l'équipe qui se déplaçait. Salut à tous, vous reconnaissez sans doute le décor, nous sommes au Stadium of Light de Sunderland. Benjamin Da Silva au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca. Tout le monde n'attend qu'une chose, que ce duel débute enfin. Et on le sent déjà, l'ambiance générale, c'est une très belle rencontre qui s'annonce. Les minutes juste avant le match, c'est toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac.
Ah, le ballon est sorti, corner à suivre. Un œil sur le 11 titulaire, titulaire dans le but. C'est Thibaut Courtois, Ruben Dias avec Pau Torres en défense centrale et enfin Harry Kane en pointe. Et ça joue sur Harry Kane. Attention, voilà un bon duel. Premier but du match, très très vite, l'ouverture du score, goal. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque, la récupération, la passe en profondeur, c'est parfait pour le bienvenu. Ensuite, ce n'est pas fini, il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! Excellent, le geste défensif là. Julian Brandt. Les Comets prennent le jeu à leur compte. L'action était bien partie et finalement c'est perdu. Kane. Ballon vers Payet. Attention, très bonne occasion. La frappe est contrée. Et cette tête ne trouve pas le cadre. Lampard. Ça joue avec Pedri. Aucune difficulté pour capter le ballon. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Lampard pour ce bon ballon. Eh non, ça passe pas, c'est intercepté. Kane. Payet. Le ballon pour Harry Kane. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Et le ballon est mal donné et c'est perdu. Oui, la bonne technique là. Il peut frapper Reina. Et danger écarté par Ruben Dias. Comets, corner à suivre. Il est bien frappé ce corner. Bon, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. C'est un ballon de contre à jouer. Oh, c'est un bon ballon ça. Et ça chauffe encore. Et ça rentre. L'intervalle se creuse avec ce nouveau but. Ça fait deux longueurs d'avance. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Payet. L'équipe locale a le contrôle du ballon et c'est grâce à l'éventail de passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise, parfaitement réussi. Eh oui, et pourquoi pas une nouvelle occasion à venir là-dessus. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Giovanni Reina reçoit le ballon. Ça joue sur Abraham. Et non, sans problème pour la défense. Il y a un contre à jouer maintenant. Il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Quelle intervention, elle est hyper importante. Corner. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Oh là là, le ballon sur la transversale. C'était vraiment tout proche. Ici, on voyait la trajectoire plus à l'intérieur. Hein. Mais finalement, ça sort tout juste. Pas de réussite. Julian Brandt. Frank Lampard. Offensive menée par les Comets. Excellente défense dans la surface. Le ballon pour Harry Kane.
à la récupération du ballon, c'est bien fait. Ah, bien joué dans la profondeur. Oui, bien fait de la part du gardien. C'est frappé par Payet. Oh oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Avec Dimitri Payet maintenant. Le ballon transmis à Chiellini. Attention là, Harry Kane. Oh l'arrêt, mais ce n'est pas fini, attention. Le ballon pour Harry Kane. Tir contré sans difficulté. Et ça joue sur Rodrigo. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, il faut redescendre, là il faut s'activer. Le ballon change de camp. Magnifique, quelle passe! Ah, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. Ah, pas de danger sur ce ballon, il finit sa course dans les bras du gardien. Dimitri Payet. Dans le couloir, Dimitri Payet, il peut avancer. Attention là, Dimitri Payet! Excellente intervention. Rodrigo avec le ballon. Qu'est-ce que c'est bien défendu! Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant. C'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Et ce ballon qui est perdu. Une balle jouée en profondeur. Ouh, le but en troisième but d'écart. Leur domination est écrasée. La clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Il y a la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. 1-0, c'est le score suite à ce but. Un ballon qui tourne sur ce but duel. Ah, le ballon lui échappe et ça sort. Le ballon vers Jordi Alba. La passe vers Julian Brandt. Et oui, le but! Le but de l'anglais, Tammy Abraham! Et oui, Tammy! Il a une relation particulière avec le ballon, avec le but! Allez, donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Chiellini. Le ballon pour Guendouzi. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et c'est donné en profondeur. Ballon subtilisé aux Comets. Rodrigo avec le ballon. Attention, ça peut payer là-dessus. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Ah, il faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. Ballon dangereux en profondeur. Kane, parade hallucinante, à bout portant. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Ce ballon qui leur échappe. Ça joue avec Pedri. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Oh,
le geste technique pour surprendre l'adversaire. Le ballon pour Harry Kane. En pleine position, Harry Kane. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. 4-1 donc. Il y a un contact que l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Mais il avec la balle. Franck Lampard. La récupération de Diogo Dalot. Rodrigo. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Et voilà, il passe à l'adversaire. Ouais, bien joué ça. Ballon pour Reina. Et il remporte son duel, bien défendu. Ah, le drapeau s'est levé, hors jeu. Et le changement va donc avoir lieu. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. En bonne position, Harry Kane. Ah, c'est le poteau, ça joue. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Ça sort en touche. C'est une très bonne occasion qui vient finalement lécher les montants. Mais regardez, c'est peut-être une nouvelle chance avec cette action. Et l'arbitre indique le corner. Le corner. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Et la possession change de camp. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Reina. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et ça joue sur Harry Kane. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Pedri. Lampard. Ballon pour Reina. Bonne intervention pour stopper l'attaque. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Rodrigo avec le ballon. Rodrigo peut frapper. Et le gardien s'illustre bien. Et le jeu est interrompu pour un remplacement. C'est bien parti pour ce corner. Et là, le ballon est envoyé sans aucune difficulté. Et ça joue sur Rodrigo. Il y a un retour de position de hors-jeu qui est signalé sur cette action. La passe, c'est aussi un art du tempo. C'est de la musique. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Le ballon sort, c'est une touche. Franck Lampard. Vers l'intérieur. Ballon vers Julian Brandt. Ah, une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. Et le ballon change de propriétaire. Et hors-jeu qui est signalé, l'arbitre fait lever son drapeau et le but est annulé. Oui, on va regarder sur le ralenti, mais c'est pas évident du tout. C'est terminé, donc le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et une bonne victoire. En dehors, donc
pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. Vous aurez pu l'envoyer. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Et on est avec vous pour vous faire vivre ce match captivant. Et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête cette année. Vous savez, ma mère m'a donné la vie. Et le football m'a permis de la vivre. Et bon, nous vivons. Bien fait ça, sans faute. Le centre à terre. Quelle intervention absolument décisive. Et c'est un ballon qui est dévié. Corner donc. Il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Et voilà donc la composition de cette équipe. Dans le but, c'est Thibaut Courtois, Ruben Dias avec Pau Torres en défense centrale. Et enfin, Harry Kane en plus. Et sur la pelouse, il va célébrer sa 50e titularisation. C'est une étape importante pour ce joueur. C'est la preuve d'un grand professionnalisme. C'est une barre symbolique importante dans une carrière, en tout cas en Suède. Et c'est bien défendu, sans faute. Et ça joue sur Rodrigo. Un sobre, mais efficace, super intervention. Voilà, super, pour mystifier l'adversaire. Et non, le ballon est perdu, là. Et Payet, la passe filtrée. Et il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Roberts. Perisic. Le ballon change de pied. Ouais, c'est bien fait, la protection de balle. Le public ne se trompe pas, c'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface. Eh, bien donné ce ballon. Eh bien fait, c'est pour Rodrigo. L'intervention du gardien. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. À faute, l'arbitre siffle. Coup franc à venir. Ah, le ballon est perdu. Nous sommes en intervention. Quel ballon dans le dos de la défense. Ah, il lève bien la tête. Sort, renvoie aux 6 mètres. Ah, Ruben Dias sous pression. Mais voilà, ça sort en touche. Et c'est récupéré ça. Rodrigo. Oui, ce ballon est intercepté. À sous pression, mais excellente couverture. Alors on essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage.
Bien défendu ça. Ruben Dias à la réception. Oh, le tir! Oh là là, c'est complètement raté. L'ouverture du score leur tendait pourtant les bras sur cette fin. On a du mal à comprendre, hein, le but s'est bien étouffé. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Le ballon donné dans le dos. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Grosse bronca dans les tribunes, le public qui gronde suite à ce pénalty non sifflé. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Le ballon pour Harry Kane. Et attention à cette frappe. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Le premier but pour ce match, donc 1-0 au Dabo d'Abidjan. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Un ballon en profondeur d'Harry Kane. Le poteau, ballon toujours en jeu. Ah, le bon réflexe là. Le corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Avec Dimitri Payet maintenant. Ah, ça y est, la première période arrive à son terme. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Ah non, la bonne deuxième intervention, bon jaillissement. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Attention là, Harry Kane. Et le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand chose de positif ici, beaucoup trop de suffisance dans cette action. Cette parade est très importante parce qu'il autorise son équipe à rêver à l'égalisation. Et dans tous les cas, il faut rester vigilant, le ballon risque de revenir. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Oh, Ronaldo la passe, c'est bien vu. Excellente intervention. Frappé par Payet, c'était pas bien dégagé, du coup faut faire attention derrière. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Ah, c'est récupéré très haut ça. Oui, le long ballon. On le voit, la position est favorable à l'équipe locale, mais il n'y a rien de pire que ce genre de configuration. L'équipe tient le ballon, mais n'a pas envie, pas de révolte, et se laisse endormir toute seule. Pas évident de reverser la situation comme ça. C'est un corner pour les Hoops. Pour le public, ce corner, c'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs leur première vraie chance depuis un moment. Et oui, le tir! Quelle intervention, elle est hyper importante. Ah oui, d'excellent ballon! Il y a encore le feu et le passe-à-passe tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en position et bouche parfaitement les angles, ce qui fait que la frappe est bien mordue. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et non, au final, il n'y a pas de danger.
Oui, voilà, c'est une bonne séquence. La prise d'information pour amorcer une attaque et un arrêt qui fait du bien. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Gendouzi. Ça joue avec Chiellini. La frappe contrée sans souci. Et encore un tir bien contré de sa part. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Ah, c'est bien vu la passe de Payet. Et la bonne prise de balle dans une zone dangereuse maintenant. Goal, 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 goal. Il leur permet de faire le break. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Excellente la séquence de construction. Le ballon en touche. Roberts. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Et c'est bien donné dans la profondeur. Et bon, finalement, ça n'ira pas. Rodrigo avec le ballon. Il est bien placé, Rodrigo. Quelle intervention absolument décisive. Non, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Et ce ballon est envoyé en touche et donc l'arbitre indique la remise en jeu. Ça joue avec Chiellini. Et voilà, la note qui s'alourdit encore un peu plus dans cette fin de match. Les voilà maintenant à plus 3. L'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Elle a place pour tenter sa chance. Elle a frappé contrée. Le corner de Ward-Prowse. C'est une récupération du ballon sur cette action. Bien placé pour une frappe, peut-être. Attention à ce ballon qui traîne. Alors finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi. Et c'est la sanction. Allez donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Superbe intervention, sans faute. Quel ballon dans le dos de la défense. Et oui, le but. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et un arrêt qui fait du bien. C'est joué par Ward-Prowse. La défense éloigne le danger sur ce corner. Et c'est terminé là avec l'arbitre. Elle renvoie tout le monde au vestiaire. Et donc, ça fait une victoire à l'extérieur.